www.casarima.fr. Parent qui n'aime pas l'épanouissement de son enfant, il n'a pas été père pour cet enfant-là. C'est un pharaon. Pharaon n'aime pas la vérité. Pharaon appelle la vérité pousse Dieu à tuer les héros de nos vies. C'est pourquoi le diable n'aime pas l'alliance. Quand tu te décides de faire une alliance, le diable va s'élever pour combattre ça. Trop de pharaons, pasteur pharaon. Pasteur pharaon, apôtre pharaon. Convertissez-vous, vous agissez avec la puissance des pharaons. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Au nom de Jésus, c'est une bonne prière. Tu as bien prié. Tu as prié selon la parole. Alléluia. Tu as plusieurs ennemis qui occupent ou soit qui ont des rôles qui sont en train de jouer dans ta vie. Et à la lumière des Écritures, tu peux comprendre si tu as un combat dans la vie, à qui tu as affaire. C'est ainsi Dieu nous parle par rapport aux catégories. Première catégorie, c'est pharaon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ok. Parlant de pharaon, nous avions dit ceci. Tu peux déchiffrer facilement la puissance de pharaon agissant dans ta vie par ce que pharaon a fait au peuple juif. N'est-ce pas? Amen. Nous avions parlé de tant de choses, je ne peux pas répéter ça. Nous avions dit que c'est un titre à tous les souverains d'Égypte, n'est-ce pas? Jusqu'à la conquête de par les Perses au 4e siècle avant Jésus. Il est l'image du diable. Amen. Mais par rapport aux catégories, nous disons ceci. Il est celui qui convoite tout ce que tu as de la valeur. Quand tu as une personne auprès de toi qui convoite tout ce que tu as de la valeur, là dit bien, il y a ce pelle, il te fallait et l'amboué en azoton. Comprends qu'il a la puissance de qui? Pardon? Yanani. Il y a de ceux-là, tu es intelligent, lui, ça ne le plaît pas. Il peut aller même contracter des fétiches pour détruire ton intelligence. C'est la puissance de qui? Alléluia. Amen. Il y a plusieurs pharaons dans nos familles. On ne te trompe pas. Pharaon, alingaka konzayo. Osala esclave naye. Ya bongayo ya kandeko sengaye. Yo dépanakane. C'est pharaon. Il ne voudra pas ta libération. Il y a de ceux-là dans des familles. Ils ont des grands frères. Des balais qui n'est pas fungwama. Yende kakaye. Et sa puissance, c'est à Pharaon et ça dépend. Oh, c'est l'écriture qui est en train de prophétiser. Si c'est ta mère, je m'en fous. Mais tout ce qui m'importe, c'est de te révéler la vraie identité de celui que tu appelles maman, de celui que tu appelles grand frère, de celui que tu appelles grande soeur. Si elle agit avec la puissance de Pharaon, elle est ton ennemi. Je ne te pousse pas d'aller le combattre physiquement. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Papa, ok, Amen. Amen. N'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations. Tu peux avoir une grande sœur propre, mais qui agit avec la puissance de Pharaon. Tout ce qui est ton bonheur, elle ne sera jamais contente de ça. Elle cherchera à détruire ton mariage, à détruire tes études, à détruire mon bon olinga bomango. Quand tu es esclave, Pharaon est content. Je l'ai dit.
En commençant par Abraham. Abraham a fui pour aller se réfugier en Égypte. Pharaon a convoité Sarah. Et il a pris Sarah pour la faire devenir sa femme. Ni t'était la puissance de Dieu. Abraham n'allait rien faire. Parce que Pharaon à l'époque, il était une grande puissance. Amen. Amen. Il fallait l'intervention de Dieu. Nous avions dit, Pharaon, pour ceux-là qui sont venus aujourd'hui, apprenez à ne pas pour qu'il débute. C'est bon? Il convoite tout ce que tu as de valeurs. Il veut seulement que tu lui rendes service. Que tu sois son esclave. Hein? Hein? On travaillait ensemble. Je commence à faire mes économies. Moi aussi, je vais me lancer. Pharaon ne voudra pas ça. Il va détruire. Pour que yo po bimate. Amen. Attention, il y a aussi des pasteurs pharaons. Quand un enfant a le ministère, lui ne veut pas le faire le libérer. Il veut le clouer pour qu'il soit son esclave. Serre-moi d'abord. Est-ce que réellement tu as entendu Dieu? Trop de pharaons, pasteur pharaon. Pasteur pharaon, apôtre pharaon. Convertissez-vous, vous agissez avec la puissance de pharaon. Atabo ininga, interprète de la parole. J'ai dit ce que mon Dieu me dit de vous dire. Les autres ananga na yo. Amen. Bongwama. Tika muli moi pharaon. Amen. Tika bana. Asale lio petro. Tika bango. Fallo. Ici, il n'y a pas de problème. 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 Je vais vous dire. Je vais vous dire. Amen. Il ne supporte pas ton épanouissement. S'il a rendu le peuple juif esclave, c'est parce qu'il a vu qu'il s'épanouissait. Pour preuve, il a ordonné. Non pas aux enfants filles, mais à tous les garçons nouveau-nés d'être sacrifiés. Pourquoi laisser les filles et tuer seulement les garçons? Il savait, quand une fille se marie à un homme, les enfants qui mettront au monde n'auront pas la nationalité de la femme, ni les tribus de la femme, mais de l'homme. Comme ils sont en Égypte, s'il y a 6000 juifs qui n'ont pas des hommes et qui s'est marié aux Égyptiens, tous les enfants nés par les juifs, nos fils, ce sont des Égyptiens. T'as la politique, non? Politique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Il n'aime pas la progéniture. La puissance de Pharaon impose la stérilité. Quand tu es en train de forcer pour mettre au monde, pendant que tu es marié, tu as affaire à la puissance des pharaons. Combat la puissance des pharaons. Tu verras que Dieu va ouvrir. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Hein? Tous les garçons doivent mourir. Seulement les filles. Ils sont devenus un peuple nombreux. Ils risquent de devenir très puissants que nous. Pharaon a peur que tu sois puissant. Un véritable papa, quand son enfant devient plus puissant que lui, il est dans la joie. Parce que c'est sa sémence. En réalité, il se voit au travers de son enfant. Même parent qui n'aime pas l'épanouissement de son enfant, il n'a pas été père pour cet enfant-là. C'est un pharaon. Comment tu as engendré un enfant? Même dans le ministère, il évolue, tu es jaloux. Tu as peur qu'il soit puissant. Pourquoi? Pour la nini. Pourquoi? Pour la puissance des pharaons. Nguyen a fallu. La puissance des pharaons. Ça agit dans l'église, frère. Quelqu'un commence à s'épanouir par rapport aux affaires. Les gens avec qui il prie,
complotent pour mettre des bâtons dans des roues pour que cette personne ne puisse pas avancer. Tout celui qui est contre l'épanouissement de son frère, il agit avec la puissance de Pharaon. C'est Pharaon qui est jaloux de l'épanouissement de l'autre. Mon frère, ma soeur, serviteur de l'Éternel, aimez-vous et soyez dans la joie quand votre frère s'épanouit. C'est pela na kobonga popol. Amen. C'est pela na kobonga beya. Amen. C'est pela na botombo ya muninga. Amen. Là, c'est la puissance de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais quand l'autre s'épanouit, atelemi atei bien yo bukiye. Amen. Tu agis avec la puissance de qui? Muninga lati bien kumisaye. Amen. Et simbio ma sœur, olati bien. Amen. Chuba lisus lata lobito kumisa lisus ezaboye biloni yango lati biloko akato wana. Alleluia. Prêcher biloko ngala lati yango kangi ezoto ta banzoto ngo ndire saka fufu oh etalio nanini yona egale combien. La puissance de Pharaon agit dans les fidèles. La puissance de Pharaon agit dans les fidèles de Jésus. Fidèles de Jésus refusent le comportement de Pharaon. Dieu te parle pour que tu puisses te convertir. Refuse le comportement de Pharaon. Même dans l'église, même chez toi à la maison, même dans le mariage. Cette fille, ici d'une même famille, la cadette se marie à un homme qui a des possibilités. Ses sœurs complotent contre leur cadette. Et pour finir, une a décidé de mettre la poison dans la nourriture. Amen. Ya mwana ntuka. Et pourtant, la cadette avait de bonnes idées. Amen. Amen. Elle avait de bonnes idées pour dire que vos maris viennent. On doit former notre bloc. Comme ça, comme mon mari a des circuits, il peut brancher vos maris pour qu'on ait quand même la stabilité dans la famille. Elle a des bonnes idées et complote pour qu'elle ne puisse pas s'épanouir. Alléluia. Amen. Ça a raté parce que la cadette priait. Elle s'est retrouvée enceinte. À sa fausse couche. Ses sœurs ont appris. Au lieu de pleurer avec leurs sœurs, on les balaye là. Bango basali fête. Ah. Pharaon. Champagne penda. Azui. Malheur kakabiso. Azui. Alléluia. Falo. Alléluia. Amen. Mais avec des bibles de rokobo bobo. Naloba kango kanga munoko nae. Rokobo bobo bobo moko te kokotsa mutu na lol. Amen. Eloko kokotsa mutu na lol les a bizale lia ba Christ. Loba papa. Rabababam toki munen rabababam tumba mapapu rabababa puissance ya Pharaon. Vous croyez que quand tu parles en langue de comme spirituel et l'autre nalobakabasio ba boumela kana ba boîte de nuit ba kota lola ba seri ya jip milai ba koti lefel. Bible dit loba les premiers seront batuel bosoba batuna suka yeni ni ntumbo wa un jour, Ostukandumba na lol. Yo tikal. O kota ndegene, mana kota na bongwa baka na ngai. O biso to bandola ta bajim la bitenga la ta kango mukuse mingi mer mo bona kota na kana Yesu. E koma ka mulai. Ya ngonga na kanga mande e koma ka mulai koma mulai bien. Ya yo koma mulai ya komona. Amen. Mena mulimu. Amen. Merci pour la réponse au père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Betty Maboko Makas. Amen. Amen. C'est bon? Malam. La puissance de Pharaon est en train d'agir dans l'église. Nguyala on doit bannir ça. Na le Tonga. Amen. Amen. Pharaon. Falo. Il ne pardonne pas. Pharaon. Falo. Il ne pardonne pas. N'est-ce pas? Amen. Pharaon, il mange à Nebukadnezar. Quand il a besoin d'un service, hostilité, sort la mort. Nebuchadnezzar à l'obaki, comme ils n'ont pas pu interpréter les songes, je vais les faire mourir. N'est-ce pas? Bah, il faut faire à mesure de grâce, 3 jours.
qu'on consulte notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Et l'explication a été donnée. C'est ainsi, parce que la vie sauve. Amen. Alléluia. Amen. Manque à pardon dans l'église. Esprit à Fallo. Oh, vous savez quoi le bâté? Yosan Abinemi 140. L'esprit de Fallo. Tout celui qui est incapable de pardonner, vous. Binonyonso. Protocole. Tu sers avec quel esprit? Hein, frère? Vous priez un Dieu capable, saint, qui pardonne et qui oublie. Basemi bonio longola. Ce qui nous a balingia tangela yo. Yo kote le mot sala protocole. Yo kote le mot teya. Yo kote le mot sala modération. Yo koi kote le papo sambe. Eko simbate. Si ce que tu as fait en cachette, Dieu a vu, mais il t'a pardonné. Il te donne encore l'opportunité de le servir. Et toi, pourquoi tu ne pardonnes pas? Et pourtant, c'est une condition pour que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont t'offenser. Bah, ça veut dire quand tu refuses de pardonner, Dieu aussi refuse de te pardonner. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Binemi aux anangwana. Zambe pe azota la tindre. Mwana limbisaye. Exact. Pour condition, yepe fasa nini alimbisa. Amen. Et vous savez ce que le diable fait? Oui, le diable ayaka ko semisa maboba sala. Oh, maman na bino pena maman pena bota yo. Hein? Hein? Papa o pena bota yo. Maloba bongo akoloba nango na mwana. Ah! Hein? Tangu yukango. Moteme mwati. Et pour te ka farao lingolata. Ala okota kadna. Aye, atiliwa di. Tiliwa. Donc les canaux là, beaucoup n'ont pas. Ce monde va passer en botte. Beaucoup n'ont pas. Ce monde va encore passer en botte. Beaucoup attendent. Viens taba bonjour. Hein? Et natun. Les chrétiens se comportent en beaucoup en table. Mais des frères dans l'église qui prient dans une même église. Écoutez. Vous avez un même père, une même mère, mais vous êtes des ennemis. Non, c'est inconcevable. Non seulement ça, vous avez un père dans la foi, un même père dans la foi. Vous êtes des ennemis. Vous avez un seul père céleste. Vous êtes des ennemis, pasteur. Ah. Amen. Amen. Il y a de ceux-là. Quand quelqu'un fournit des efforts pour le voir enfin qu'il arrange, il le repousse. Puissant de Pharaon. Pharaon. Azana Wenze, Azana Église, Azana ba diakona, Azana ba pasteur, Aza. C'est bon, hein? Loba papa. C'est bon? Loba. Donc on nous avait dit aussi, il manifeste sa petite puissance pour nous décourager. Il est spécialiste en découragement. Toi qui décourages les autres, tu agis avec la puissance de Pharaon. Dieu aime les hommes qui encouragent. Il a dit à Josué, n'aie pas peur. Aie bon courage. Vas-y. Fonce. Quand tu trouves dans la vie une personne qui peut t'encourager dans des bonnes choses, celui-là, attache-toi à lui. Kangama nae. Nae bisi bino sekre. Amen. Okute na mutu qui peut t'encourager dans la vie. Azo lendi se na bon moi. Vas-y. Sala. Mutu malamu yo. Ye wana landai. So kute na mutu yo. Yo. Tika na yo. Ah, tika na yo. Tika. Fe. Oga ba minono bamba. Fanda na yo. Lia manyoko. Lenguba olalina.
Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui découragent. L'opération à chaque parcelle. Combien nous allons décourager? Ebélé. Hein? Alléluia. Amen. Quand ils te font la cité, ah, bon, tika, tika, na yo. Na ina bando le kana internet, tika, tika, tika. Internet est béba. Pa pasteur ya lukuta. Pa comme Ebélé, on peut voir tchango mulongo. Oh. Mbumana mbumeye banakati. Mbumana mbumeye banakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de découragement. Il créait des circonstances pour les décourager. Azo sala makapo pour lembisa bango. Ne te décourage jamais. Kolembate. Le découragement. Koltikate. C'est la stratégie de Koltikaran les andes maile ya. Tu sens en toi le découragement. Dans mon akati no bolembo. Chasse cela. Bengana yango. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. C'est bon? Malam. Amen. Amen. Il veille pour nous faire oublier ce qu'on nous a donné comme promesse. Amen. Il appelle la vérité mensonge. Tout le monde est dans l'église. Ezali. Tika kindumba. Okokota lifelo. Tika bontoki. Na longwe. Église à lukuta wana. Hein? Là où on est en train de cajoler les gens, parce tu iras en Europe, okay, tu poto, vas te marier, okobala, tu auras 3000 enfants, okobala, alléluia. Amen. En tout cas, il a prêché avec onction. Mais quand on prêche, marche dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Mate à condamnation. Nde nyo zagina kilta lobi. Ah, tika. Omoni kilta mercredi okuna. Yara kito kumakasi. Na regrette que tu ne na kendagi mardi. O biloko batei, biloko zangatina. Pourquoi? Parce que balobela ki e kabelo ya bondumba eza bien mal aki. Biloko ya mabe. E kokoti sa yo lifelo okomatate na koneto la maya Yesu. Alobite. Batei e kozala. Moi so yo misu kaka na mibali ya bato eza loko mabe. Abibate imabe. Il se trouve vivre ndegeni. To vota na mboko yo le chida ne tombera jamais. Amen. Ya ye na ba mate ya chida tombe. Il contredit la logique du Congo. Il contredit la logique de Paris. Amen. Alléluia. Amen. Combien ne veulent pas nous suivre sur internet à cause du message? Marche dans la crainte du Seigneur. Ça fait 10 ans que tu es avec cette femme. Tu ne l'as jamais honorée. Vous vivez dans les kimakangu. Comment ne veux-tu pas qu'on puisse te cracher la vérité? Et pourtant tu as des parcelles au Congo. Qu'est-ce qui t'empêche de vendre les parcelles pour honorer cette femme-là? Tu iras en enfer avec tes 28 parcelles parce que tu as une makangu chez toi. Nakin baye bayo na lobelo na linga. Nakin baye bayo parisien muto ambongo. Muyibi munene. Ya ba carte bancaire, muyibi munene. Muyibi ya bakaro, yibi bakaro yote kana kijasa. Ata biso to moni yote to kumisi mwana poto jika jika. Me yomo ko yebi ke za ba yebi. Ke tware ko yiba kango. So so na table na tema. Otei kitoko makasi. Na koza la pharaon te. Pharaon n'aime pas la vérité. Pharaon appelle la vérité. Fallo. Amen. Amen. Hein? Il y a des hommes à Kanga Mwana Batwa Lingaratas en contact avec la famille Nabango. Pharaon. Fallo. Il y a des esclaves naïe. Akufata na zwa bomengonyos. Tata. Akokufa te. Lelo, kanengoki lobo. Et changer ma vie à moi sina. Amen. Au nom Jésus. De Jésus. Pharaon. Fallo. Il n'aime pas la vérité. Alingi solote. Pharaon aime. Fallo alingani ni lokuta. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de mensonges. Yama lokuté tondi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Pasteur, azan 28 makam na église. Ba protocole, ba yebi, ba diak, ba yebi. Combien Koleka.
Amen. Et puis en plus, pasteur Maria, célibataire, tu peux te demander le bambo, bamso tatona kalukaka, mouma malam, poacha nanda. Te, asa déjà nan mouma malam. Amen. Fallo. Alléluia. Amen. Et il y a de ces églises où quand tu viens être pour prêcher, tu as évité déjà. Et d'ailleurs, on donne des thèmes. Amen. Yo bon sakini. Te biso mikolo yo molimo alobeli molimo nini. Hein? Biso mikolo molimo alobeli biso que il faut battre à biso sur comment vivre dans les quartiers. Yaka na biko sa makasi na biloko an. Beta moi bor moko boy comment vivre dans les quartiers. Pour te remarquer que batuba comment mitema mabe moninga ote kangu ba pa chengu ba koto. Mais le côté le plus pété pété kolingato komakuna. Ah frère, to loba ki biloko ya batu ba vivre na kare. Biloko na si to te ate angwawa. Omuni bano basi ba ba koma kase na ba mate ya bongo. Muto ko koma kase na mate ya lisumu te. Amen. Tous les jours on doit te prêcher lisumu za mabe. Et ko ko tso li felo. Amen. Jo musu ko biki sayo za na porte ya hotel oyo ki voa ya nzambe. Eh attends na cela mon ngongo a dadi obi isumu ya mabe ko tali felo mo banga mo do ko ta te. Utanga kamwe ka ko ngwe matete ko biti ko to yo ya ki bie. Komi ka ko tela bo ete saka ke kri lo te. Amen. Kanisa dadi alo baka ba me mo wapi? Ba to dadi alo baka ba so me mayo wapi? Na batwa nyamo ba me mi na batwa ra ko bika. Kufa. Merci. C'est bon? Malamo. Il n'aime pas la sortie. Aligi kobimate. C'est bon? Amen. Hein? Amen. Kobima. Mama likamba kobimoyo kobima. Akolinga to bima nanda kwa ba parents. Uzaya yana bango ya liboso yu kaka. Kutibana ao. Esinga kombo Pierre. Ao. Vande ao bazaba koko nanga naza kutala bango. Pharaon munene. Bwaka na papa na bino alinga kate bo bima Pharaon munene. A contredire Bible. La Bible dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère. Père, maman na et papa. Il quittera. Amen. Amen. Il quittera. Ago longwa. Ni. Moses. Kasi boko mi katende na lo babo. Amen. Amen. C'est bon? Malamo. Remède pour Pharaon. Il faut enlever les routes, frère. Tika makamwan. Naye bibino. Remède. Kisi. Amen. Amen. Il faut la démonstration. Et c'est le komonisama yanguya. Amen. Amen. Yope. Autant moulaka na Pharaon. Oui, mes camarades, nous en allons à côté au Bonga. Chance y est lié, y a siliki. Abandé au Tonga. Mon kanga manao likam, on dirait likam. Il faut la démonstration de la puissance. C'est-à-dire qu'au monde, ça m'a anguia. Attention, quand nous parlons de la puissance, tant toujours mal anguia. Ne peut recevoir ou ne peut démontrer la puissance. Oh, au monde, ça anguia. Que celui qui a reçu la puissance. Kaka oya zinguia. On reçoit la puissance auprès de notre Dieu. Il a dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois puissant. Avant que Moïse ne puisse démontrer la puissance chez Pharaon, Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Amen. Amen. La puissance de Dieu, on doit la rechercher dans la prière et dans la sanctification. Et dans la sanctification. Il faut aimer la puissance. Nous sommes au temps de la démonstration de la puissance. Paul a dit, ma prédication ne consiste pas dans des paroles persuasives, mais en démonstration de puissance. Amen. De moi, Nikio, Yonikaye. Amen. Allah la magalikan. Balokio.
Yopo sa nini? Lokiba. Nous sommes en temps où aucune personne n'a droit de te faire pleurer. Tu dois lui démontrer que tu as Dieu. Tes paroles ont une puissance terrible. Tes paroles ont une puissance terrible. La Bible déclare ceci, la prière du juste a une grande efficacité. Un juste, il peut s'élever la nuit. Il déclare, dans ce quartier, il n'y aura ni entrée ni sortie. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole, Briali. Amen. Donc, il m'a dit, il m'a dit, il m'a. Si tu es réellement juste. Alléluia. Si tu es réellement juste. Et que tu respectes les conditions des justes. Réellement. Ils ne sortiront pas. Ils ne pourront pas entrer. Et tu les remarqueras pendant la journée. Le bisotin. Mon amabé makas. Amen. Amen. Je vous avais donné mon témoignage. Toute la nuit, j'ai prié. Moi, je dis des choses que j'ai vécues. J'ai prié toute la nuit. À Kangi quartier. Couvre-feu. Na Boutou. Paka Christian, couvre-feu. Na décrété le bango couvre-feu. Jusqu'à 9h. Imaginez. Pas locaté 9h. Et pourtant, bango bala mukana tongo bala loki ba étalage. Pour pas te battre kate. Amen. Moi, je suis venu pour acheter le pain après avoir prié. Prié et que se reposer mouké. La dame me regarde pour dire yo na oteke lote. Ngai. Ngai. Hein, to sala na ba jeté. Hein? Ma ceci, et ça mutu muso allo belo bilo muso so. La deuxième maman me redit la même chose. Maman n'a pas songé ma loba. Et c'est comme si ayoka qui n'engue maman na lobelinga. Elle me dira ceci. Oyoki te que tobi to kote que la yote. Oh. Oh. Ah. Et comme il s'est rien. To sala rabajé na binote. Bon, boyokani nga pote que la ngate. Nande. Mbon na ngeza mabe. Amen. Directement. La réflexe de l'esprit. J'ai commencé à intercéder. Amen. J'ai dit à Dieu, guide-moi. J'ai un enfant de Dieu pour que j'achète le pain. Je suis parti, j'ai acheté le pain. Je suis rentré à la maison. Et l'esprit me dira. Amen. Et pendant que, parce que moi j'avais l'habitude de prêcher, chaque 4 heures du matin, les coqs chantent. Je l'ai fait pendant au moins 3 ans. Tous les jours, ba mungongo ezike kauke mifungwa ma yango moko. Elembika lo bito okangama pamba a ote akak. Donc, tingamo wapi mbamba na Yesu. Tous les jours à 4h du matin, ndako bongola mutema. Yesu azoya. Ozo tambola na masumu po bongisi na journée ndenge osala masumu. Nanya ebiso lo bezayo. Sango malamu eme comme Leon ndako. J'ai cherché des coins stratégiques où je peux prêcher pour que ma voix atteigne le quartier. Et à 4h du matin, alléluia. Un jour, j'ai prêché. Je les ai chassés. Pendant que je prêchais, comprendre nos esprits. Et le matin, amen. J'avais un ami qui est aujourd'hui. Et en Europe, Tobeta prière bisomi balé. Nous nous sommes dit ceci. Tous les sorciers de ces quartiers, Salongo, li mettez Salongo. Hein? En commençant par ma pango bisoto foute lak. Alléluia. Ce qui pas bon ni te faut ba teka ma pango ba ki ma quartier. Oui, mutali bo soit teka le pango. Maman mukolo le pango bipa bango bando foute. Kabo la mukina tongo te tote kalupa. Oh, mobala mutune tamboli, abiti ku tambola te tozote. A lancer commission. Et ba déménager bongo. A teki lupa et sa vie.
jusqu'à un certain médiocre comme tu n'as pas été. Et pourtant, tu as la mounaine. Les voisins, la même chose. Là où mon nom aussi on louait, la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa n'a pas de problème. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit. Pour nous, c'était un signe qui nous prouvait que réellement, le travail qu'on a fait spirituellement. Mais ça, là, mon âme. Amen. C'est à tort que tu aies peur d'un sorcier avec qui tu vis. Yende fois bangayo. Amen. 1 Jean 4:4 le dit. Petit enfant, Wana. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui qui agit dans le monde. Démonstration de la puissance. Celui qui est en moi, s'il est plus fort que notre Tata Moïse, comment moi je peux avoir peur de Tata Moïse? Celui qui est en moi, s'il est plus fort que mon bailleur, comment je peux avoir peur de ce bailleur? Celui qui est en moi, s'il est plus fort, comment je peux avoir peur de ce mari qu'on prétend sorcier? Qui aura peur de qui? Qui aura peur de qui? Je pose la question. Si 1 Jean 4:4 s'applique dans ta vie, qui aura peur? Nana Kobanga. Qui aura peur? Les ténèbres. Amen. Amen. C'est bon, maman. Kitoko makasi. Tato azando ki sili. Il y a longtemps qu'on a contacté la chambre de la chair de poule. Nana chair de poule pour la côte nanda nando nandengen. Et banande. Alléluia. Boy. Hein? Dieu est merveilleux. Amen. J'ai donné le témoignage à Nette quand on a implanté l'assemblée en Djil. Arrivé en Djil, nous étions en train de prier. Tous au bon là. Mes yeux fermés. Monsieur Kanga. J'ai le message. Monsieur Évangéliste Patrick. Tous les sorciers du quartier se sont concertés. Ils sont en train de chicoter. La maman qui t'a donné la place. Demain, elle changera d'avis. Moutoutouazui, Yangwe qui changera d'avis. Mais l'esprit nous dit, par le fait qu'on a piétiné nos pieds dans cette parcelle. Alléluia. Amen. Aussi toloki lupang. Ata tolongo ici ezako beba. Amen. On a ban nzambe na basali nzambe. Amen. Mais Dieu ne nous laissera pas. Le jour de l'ouverture, une femme s'élèvera pour prendre en charge l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'est accompli. Le matin, la nuit, pendant que nous on priait. Tant moi, je t'ai dit parce que je l'ai vécu. On était en train de prier. Au même moment où on a commencé la prière, une dame voisine, elle aussi, elle a commencé à parler en langue. De minuit jusqu'à 6h. Alléluia. Amen. À 6h. Vous comprenez, hein? Prière y a mikolo. Vous voyez, prière y a mikolo. Char de 4 lépreux. Hein? Amen. Makolo kabo. Char de 4 lépreux. Tambola. Kartio. Baningana. Bastiria bakip. Hein? Toka kaka sala o baluba babenga kasa le banda toka nsaka bazaba na mike soka nde mikolo boya apopo loka batu bo deranger batu eh ba prière à lukuta. Oh, toi tu pries en langue, nous aussi on prie. Yo zo bon espirit zo bon. Alléluia. Amen. Et le matin, elle a déménagé na tonga longwa et la propriétaire, elle nous a chassé le jour de l'ouverture. A bengali zo mukolo to fungole yamba. Alléluia. Amen. Et le jour de l'ouverture, l'évangéliste a eu le courage d'annoncer au peuple de Dieu qu'on nous avait donné cette parcelle. Mais maintenant, la BARS a refusé qu'on puisse évoluer ici. L'église est en Abalabal. C'est pourquoi nous faisons cette ouverture en Abalabal. Une femme dans la foule, elle a dit, et comme il n'y a pas d'abus. Amen. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur avait dit. Accomplissement. Amen. Amen. Tokoti na lupango, par le fait que c'était elle la responsable. Sa grand-mère, sérieusement malade. Pourquoi? Mututu oyo abenga na kibiso azwaki.
Mais l'enfant qui a accepté que l'église soit dans la parcelle, il y a un bout de Lokola sa grand-mère a un bout de Mais il y a un responsable. Mais il y a un Alléluia. Alléluia. Le jour du culte, il y a télé. Il y a un bout de temps. Bana ba tomboke ba biseke yo poza ndo kuna ba bengani bango yo po benga ba kozalao amen so na beteli li solo l'histoire na ngondenge kendela ba liwe monana na quartier na osa kola ba liwe monana na quartier au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu soit manifeste par toi. Que les hommes témoignent que réellement toi tu es à Dieu. Vous t'emmènez qu'à Simba Biloko na Alapa. Amen. Vous t'emmènez qu'à Simba Bana na Alapa. Au nom de Jésus. Vous t'emmènez qu'à Simba Bosu na Alapa. J'accepte. Vous t'emmènez qu'à Foye Bake Yozara na Nani na Nzambe. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Kangisa bango bisaka zonga mboka. Amen. Na bandeli kangisa bisaka sanini azonga mboka. Mboka. Tu as la puissance de Dieu en toi. Petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes Dieu? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui vient te visiter en forme de nuit. Tu peux dire aujourd'hui stop. Vous pouvez vous lever en famille pour dire la puissance de Pharaon. Stop. Souka. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Si tu es révolutionné, c'est ton message. Amen. Dans cette catégorie, nous avons Hérode. Amen. Oyo mutumabe. Oyo. Oyo a sa posta démonstration de la puissance. Pharaon, on n'a pas besoin de la démonstration de la puissance par rapport à Pharaon. Tout ce qui nous importe par rapport à Hérode, qu'il soit loin de moi. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui ont posé des questions par rapport aux gens qui nous suivent sur Internet. Celui qui parle, c'est le prince de la paix. Le repos lui-même. Le maître du sabbat. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Hein? Loba papa. Simbelela ngaye mupanga ya Matthieu 10. Amona minena lapa. Amen. Hermo boso mulimo akulune kote lingai. Nde na sala ka bango. Bango ba ye ba ka ba kulune nzoto ba kosa. Bo ba kulune nzoto ba zera bango na coin. Soki a lekite obiki. Mwana na mwana bendana. Alléluia. Amen. Si y a des couloirs yolo, c'est que parce qu'on a eu ça parce que c'est le. Parce que ils ont encore un an avant. Baratéo. Amen. Amen. Comme on tombe la keba keba. Eh, érotique, nzela na couloirs, akimi angope, pasimbi ete. Mais puis ce qu'qui m'a wapi. Amen. Wapi, tout ne langa bango, boko qui m'a wapi. C'est la nini. La Bible déclare le jugement de notre Dieu s'exerce jusqu'aux extrémités de la terre. Christian, jugement y a nzambo ya yo. Et que na katina mboka, tina mwene ditu, tina ntintinti. Atonte kontongo wapi kei, na bakwa bakwa e kendaka. Alléluia. Alléluia. Amen. E kendaka. Amen. Ba obata ma wapi. Ici que hein? Maman, côté ni. Il y a des gens qui sont là. Et le village, comment dit? Pardon? Yo, attends, je suis là. 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 Amen. Ok, bite. Et bête, je suis là. Je suis là. Bah! Balapi, je suis là. Amen. Pour le village natal, je suis là. Il y a un homme qui est en train. Pardon? C'est un fou. Le jugement de Dieu, la main de Dieu n'est pas limitée.
Le peu qu'on a mis dans ta main, c'est la parole. C'est la parole. Éphésiens le dit. Armez-vous. Ayez les armes de l'esprit. Par-dessus tout, l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Jésus est venu jeter la parole dans le monde. Tout celui qui ramasse la parole, amen. Hein? Pardon? Quand on le va mener, pèse la ma bonne odeur. Quoi, tu ne peux pas blaguer avec l'offrande. Quand tu offres à Dieu, prépare-toi. Parce que en offrant, pour la perpétuer, Héroboma, Hérodia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance pousse Dieu à tuer les héros de nos vies. C'est pourquoi le diable n'aime pas l'alliance. Quand tu te décides de faire une alliance, le diable va s'élever pour combattre ça. C'est pourquoi l'église, quand on nous demande de faire l'alliance, c'est comme un moment alliance des personnes et vous autres. Que vous ne comprenez pas les Écritures. Hérode va beaucoup la gaieté. Amen. 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 Caractéristique, il y a Hérode. Hérode n'aime pas l'étoile. Star étoile, non? Amen. Hein? Amen. N'engosa boye, sache que tu es une étoile. Deux sortes de postérité. La postérité terrestre et la postérité spirituelle qui était imagée par les étoiles. Christ est né comme étant une étoile. Les mages ont lu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Tel que tu es là. Par le fait que tu es une étoile. Il y a des mages que Dieu a préparés pour soutenir ta vie. Pour bénir ta vie. C'est pourquoi dans la vie tu remarqueras. Il y a d'autres choses que tu n'as pas forcées. Mais c'est arrivé sans que tu ne forces. Alléluia. Amen. Tout le monde va brancher, on est là, on va faire un lieu. Amen. Aza magia vina. Amen. Oui, amen. Alléluia. Ils ont lu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Mais quand ils sont arrivés chez Hérode, l'étoile a disparu. Et Hérode s'est renseigné. Attention, Hérode connaît les Écritures. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Hérode. Hérode. Il connaît les Écritures. Il s'est renseigné pour savoir qu'est-ce qui est écrit par rapport à cette étoile. Les Écritures ont confirmé que l'étoile en question, c'est un héros. Il a dit, tiens, moi roi, comment ta place va te faire bon à yo oui, bah mon à côté, au Hérodas, hein? Étoile. C'est pourquoi même quand une femme va accoucher, il faut beaucoup prier. Pour que les Hérodes de l'hôpital ne puissent pas lire l'étoile qui vient de naître, ni moi les tuer. À l'hôpital, il y a des choses qui se font. Je vais prêcher par rapport à la délivrance sur le placenta. La première demeure de l'homme, c'est le placenta. Où tout a été formé. C'est dans le placenta. Quand l'enfant naît, le placenta aussi sort. Hein? Chacun, à chaque enfant, placenta est là. Il y a eu Kendawa. Hein? Bamususu ya bango. Tata moi sina bango. Akalingango aliango. Nin nazo kalinga placenta moi. Aliango.
Amen. Hein? Il y a de ses parents qui ne contrôlent pas. C'est pourquoi tout parent qui se respecte. Quand moi na obota me fa landela. Ce qui est tata maman na bangwaza, mobal na landela. On peut déclarer, décréter la limitation dans la vie à partir du plan saint. Parce que c'est là où tes yeux se sont formés. Plutôt, et Pharaon n'aime pas la vérité. Il y a les Bayembi Pharaon. Bayembi, ceux qui ont mis à Babimi Libanda. Ils sont contre la vérité, ce sont des pharaons. C'est un esprit qui règne dans l'église. C'est bon? Malam. Hein? Boy. Cameraman, contre la pharaon. Kokabwana. Eh, bokabwana. Hérode va s'arrêter blague, t'es tout vendant d'un moko meuble moko ta robo mayo. Le colaïe soit tient la bisou moupanga si koto signa pe ba Hérode. Poto tike la bangota baboma Jean-Baptiste, ba mekaka no baboma yesu. Yesu mokonzi na bisou akimaka. Ake Egypte. Yo zongo ba jem mokonzi na akimi bongo yo. Yesu déjà si a pe sa bisou promesse, so kingan zeta moubesu ba kimi singa. Bongo yo zeta wuka wuka. Hein? Ok. Mon conjoint y'a yo. Moi, na abendana en Égypte. Akimif Hérode. Bongo yo l'obate, yako bongo la moutem. Ah! Frère, obali Hérodias. O ako bongo amako change. Ah! Hérodias a bongo. Hérodias ako sepe la soki moutouna yo bachango na plateau. Ba membe liye moutouna yo. Wana sepe. A mission nanga, ha? Ekoki. Je l'ai dit ici. En tant que père dans la foi. Fais très attention au choix que tu fais. Tu risques de tomber entre les mains d'Hérode. Tu risques de tomber entre les mains d'Hérodias. Il y a de ses papas. Baza Mikolo Souki a pembe, mais il a vécu l'enfer dans le mariage. Ils sont devenus sages et conseillers. Mais à Viva et Yomana Libala, parce qu'à Bala Hérodias. Hérodias a olingabola mounayote. Alingo koufa. Oana mbongo boza baninga. Ozana mbongo te. Bokabwa. Baye baka mouman nini akobomo bien bien. Amen. Amen. Hein? Aboyo kaba mon babo ya ramututé. O komanda ba gastrite na jina. Pwani. Hérode. Mona mukia kenda ko kumbe Hérode soki wapi? Ote na kokokae, siko kokokae. Mon estomac. Amen. Na nyaka madesu te. Chela nga na koniko kamwe. O komako pona bilei, pourquoi? Hérode. Hérode. Hérode papa longo la poil ya estomac. Amen. Aboma estomac. Okoma makansi nord sud est. Okoma lali bo to vandi bo kiti papa to no zotan Azawa te ase akei. Ose bela. Alléluia. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Puissance ya Hérode. Na continue ngolo. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.